la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, pas ton église, mais l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit hier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même répéter la définition que nous donnons à l'éthique dans le ministère pour que cela reste ancré en chacun de nous, de sorte que chacun de nous sache de quoi nous avons parlé. Nous sommes en train de dire que l'éthique dans le ministère, c'est une condition sine qua non pour servir Dieu. C'est comment savoir se conduire dans la maison de Dieu, c'est la bonne manière de vivre dans l'exercice du ministère, c'est l'ensemble des règles morales à respecter pour être un serviteur de Dieu modèle, c'est l'hygiène morale à respecter quand on sert Dieu ainsi que son peuple, c'est le code de vie du Lévite et du Sacrificateur dans le Nouveau Testament, c'est l'ensemble des choses qu'on peut faire ou ne pas faire dans l'exercice de son ministère. C'est une des manières principales du serviteur de Dieu de manifester le caractère de celui qu'il a envoyé. L'éthique dans le ministère, c'est vivre sur la terre conformément aux règles du royaume des cieux qui nous a mandatés sur terre. Et l'éthique, c'est le caractère de Christ dans l'exercice du ministère. C'est le caractère de Christ dans l'exercice du ministère. Amen. Hier, j'ai parlé de l'éthique dans la gestion de l'argent, de l'éthique dans la sexualité, j'ai parlé contre la rivalité, la compétition. Aujourd'hui, je vais parler de dix choses dans l'éthique, dans le ministère. Voici. La première chose qu'il faut éviter et ne jamais faire dans le ministère, il faut éviter la familiarité avec le peuple de Dieu. Il faut éviter la familiarité. Pourquoi faut-il éviter la familiarité parce que la familiarité brise le mystère et le mystère paralyse et sans mystère le ministère est paralysé. Je répète, il faut éviter la familiarité avec le peuple de Dieu parce que la familiarité brise le mystère et sans mystère le ministère est paralysé. Voici le verset biblique. Et Jésus l'a dit plusieurs fois dans son ministère. Jean 4, verset 44. Il a répété plusieurs fois dans les évangiles. Car il avait été déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Qu'est-ce qui fait qu'un prophète ne soit pas honoré dans sa propre patrie Parce qu'on le connaît bien, il est familier. On l'a vu naître, grandir, recevoir l'appel de Dieu. Et puis, c'est pourquoi les propres frères de Jésus-Christ avaient du mal à croire en lui. C'est pourquoi ses propres frères ne pouvaient pas croire que celui-ci qui est né de Marie, comment il peut dire qu'il est fils de Dieu Amen. La familiarité. La familiarité, c'est une intimité exagérée avec le peuple de Dieu. Où tu deviens leur pote. Tu deviens leur grand-père. Où tu deviens bonbon biscuit pour eux. Où tu es tellement proche d'eux qu'ils oublient même que tu es serviteur de Dieu. Et souvent nous tombons dans la familiarité pensant être bon, que c'est ça l'amour, que c'est ça l'humilité. Non, ce n'est pas ça. Les prophètes dans l'Ancien Testament avaient l'habitude d'habiter des montagnes, de sorte que lorsqu'ils descendaient de la montagne, rien que sa descente voulait dire que Dieu va parler. Lorsque Samuel est seulement descendu de la montagne, on l'a dit Ta venue annonce quoi pourquoi Il n'était pas dans la familiarité, il était dans le mystère. Et quand tu es familier, même quand tu vas dire Dieu m'a dit, on va croire que tu blagues. Même quand tu vas gueuler, on va croire que c'est habituellement. Il parle comme ça, c'est son habitude de gueuler. Ça va faire que ton ministère n'aura pas d'autorité. Tu seras démystifié. Parce que ce qui donne la puissance au ministère, c'est que les gens croient que tu es serviteur de Dieu. Si les gens arrêtent de croire que tu es serviteur de Dieu, finis ton influence, si tu deviens banal, tu deviens comme tout homme. Amen. Alors, je crois que je dois creuser là. Faites très attention aux gens qui vous ont connus avant le ministère, vos amis, ton ami qui t'a connu païen, et puis un jour il te rencontre sur la route et il veut te ramener dans votre amitié passée. Non. Tu dois lui montrer, c'est vrai, je suis ton ami passé, mais je suis maintenant serviteur de Dieu. C'est comme dans le monde. Si Quelqu'un devient président de la République, tu vas l'arrêter sur la route pour lui dire que vous avez étudié ensemble et lui manquer du respect. Non. Et il y a des gens comme ça qui vont toujours travailler à te rappeler ce que tu étais avant ton appel. Les membres des familles aussi. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs dans la chair, des fois, du fait que vous avez grandi ensemble, vous vous êtes battus, vous avez dormi sur un même lit, des fois ils ont du mal à croire et c'est à toi maintenant d'imposer, d'imposer ton mystère, d'imposer que tu es serviteur de Dieu. Je ne dis pas d'être orgueilleux, mais d'imposer ce que tu es. Je donne un exemple. Tu commences à travailler mettant à la CIA et tu as des secrets. Est-ce que tu vas commencer à les dire à tes amis non, dis-nous, nous sommes ton ami, dis-nous tout. Tu vas le faire Non, tu vas imposer ce que tu es devenu. Il en est de même avec l'œuvre de Dieu, le mystère. Et si tu es marié, ta femme, même si tu dors avec elle, elle doit te respecter en tant qu'homme de Dieu. Si tu es servante de Dieu, ton mari doit te respecter en tant que servante de Dieu. Si tu n'as plus de mystère, c'est ainsi que vous voyez des hommes de Dieu. Ils prêchent, sa femme ne croit même pas. Ils prêchent, ses enfants ne croient même pas. Parce qu'il n'a pas de mystère, parce qu'il est tombé dans une mauvaise familiarité. Comment Je suis serviteur de Dieu même devant ma femme, même devant mes enfants. Si ma femme fait quelque chose qui n'est pas biblique, je dis non, la Bible dit. Mais si elle voit que je suis biblique à l'église, mais à la maison, je tolère des choses, elle va dire que je n'ai pas de mystère. Mes enfants, tu mens. Non, tu as menti. Tu as menti, même à la maison. Il voit que tu restes la même personne qui est sur la chair jusqu'à la maison. Sinon, tu perds le mystère. Parti. Ainsi, ton autorité s'en va. Il y a des personnes qui aiment tout le temps s'approcher des personnes élevées. Et ce n'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui s'approchent des personnes élevées par Dieu seulement pour les démystifier, pour te prouver à toi-même que tu es un homme et se prouver à elles-mêmes que tu n'es qu'un homme. De telles personnes, il faut leur donner des coudées. Amen. Approche près de toi les gens qui, malgré que tu les approches, continuent à te respecter. Mais les gens qui, lorsqu'ils commencent à s'approcher, c'est pour te démystifier, donne-leur de l'écart. Pourquoi Pour les sauver. Amen. Parce que, même dans la boxe, ce sont seulement les coups qui sont donnés avec une certaine distance qui portent. C'est pourquoi les boxeurs, quand ils se battent, s'ils sentent que tu lui donnes des coups qui font mal, qu'est-ce qu'il fait Il te tient. Il te bloque près de lui. Vous devenez trop proche. Et le fait que tu es très proche de lui, tu ne peux plus lui faire très très mal. Pareil aussi dans le ministère, il y a des gens qui aiment trop nous approcher. Pourquoi Pour que maintenant, quand tu lui dis une chose, il banalise ça. Il amène ça dans des blagues. Il amène ça dans une familiarité à ah, l'aise. Je me souviens lorsque j'avais commencé à prophétiser, Dieu m'utilisait souvent dans des prophéties de jugement. Je pouvais me tenir à l'église et je déclare des jugements. Et puis il y a une dame qui a commencé à vouloir me démystifier. Je, tu t'imagines, tu es sous l'onction de l'esprit en colère et tu déclares, elle a pris le culte et te suit, ah toi je t'aime bien, tu es mon préfète. Tu vois, c'est pour te calmer, pour te calmer, te démystifier. Alors, voici. Si tu remarques que quand tu commences à trop côtoyer quelqu'un, il ne respecte plus ton ministère, il ne respecte plus tes paroles, il ne te prend plus au sérieux, tu sens que le respect diminue, il faut lui donner de l'écart. Il faut lui donner de l'écart, sinon il ne va plus te respecter et tu ne pourras plus l'aider. Le jour où Dieu parlera dans ta bouche pour le sauver, il va croire que tu joues. Je donne un exemple. Aujourd'hui, n'est-ce pas que nous, les nations, nous croyons en Jésus-Christ plus que Israël, n'est-ce pas Israël ne croit pas en Jésus-Christ. S'il y a des Juifs qui croient en Jésus, il y en a peu nombreux. Mais voilà que nous, les Africains, nous croyons en Jésus, alors qu'il n'est pas mort sur nos montagnes, il est mort à Golgotha là-bas. Pourquoi C'est un mystère pour nous. Mais pour eux, ils peuvent dire non, d'ailleurs, il habitait par ici, il passait par là, et sa maman était là, Joseph, et tout, et tout. Alors, si Dieu t'appelle parmi des personnes qui t'ont connu avant ton appel, tu dois sérieusement t'imposer. C'est pourquoi tu remarques que si tu prêches à une assemblée qui t'a beaucoup écouté, ils t'écoutent autrement, mais quand tu vas prêcher dans une assemblée qui t'écoute pour la première fois, ils sont étonnés. Pourquoi? Parce que la familiarité brise le mystère et diminue l'autorité du ministère. Il y a des prédications que j'ai données ici, c'était calme. Mais quand je prends les mêmes prédications, je mets sur l'internet, c'est le monde qui bouge. Pourquoi et Ils m'ont pas connu. Ils me voient seulement sur internet. Mais vous, vous me voyez comment j'entre et tout, tout, tout. Si tu n'as pas de personnalité, tu perdras ton mystère. C'est pourquoi un homme de Dieu n'est pas tout le temps en train de rigoler, de rigoler, de ricaner, de ricaner, de blaguer avec les gens. Non, non. Tu vas perdre ton mystère. Ou tu fais des blagues, tu viens, tu étais à la chair avec autorité, mais quand tu descends, des blagues, des blagues, tu permets que les gens te tapotent, te touchent. Non, 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 non. Non. Tu n'auras pas de l'influence sur ces gens. Tu seras pour eux peut-être un bon ami qu'ils aiment bien, mais tu ne vas pas les influencer. C'est-à-dire que par tes paroles, ils ne prendront pas des décisions déterminantes dans leur vie. Amen. Hein? C'est pourquoi faites ceci. Lorsque tu commences à former quelqu'un et tu trouves qu'il devient trop proche de toi, laisse cette personne confier à quelqu'un d'autre. Amen. Ça, je le faisais lorsque j'étais euh, responsable parmi les responsables de l'église et que je formais un nouveau converti. Après un temps, je le confiais à quelqu'un d'autre lorsque je trouvais que il y avait de la familiarité. Et comment tu peux savoir qu'il y a la familiarité? La première fois, quand la personne te reçoit, tu vois, elle tremble. La deuxième fois, elle commence à se permettre des choses. La troisième fois, elle peut être au téléphone pendant que tu causes. La quatrième fois, elle peut même te laisser poireauter au salon pendant qu'il fait quelque autre chose. Sache déjà que tu n'as plus de mystère. Quitte là. Va-t'en. Amen. Tu n'as plus d'influence. Amen. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut refuser. Moi, par exemple, même quand je vais à l'étranger, tu ne peux pas me tutoyer sans ma permission. Tu, non, vous. Il faut me tutoyer que si je te permets de me tutoyer. Si je ne t'ai pas permis de me tutoyer, tu ne peux pas me tutoyer parce que je ne suis pas ton ami. Il faut dire vous, vous. Et puis je dis arrête, hein, du tu. Parce qu'il y a certains qui tutoyent par manque de respect. Amen. Quelqu'un vient, tu viens de prêcher, tu sers Dieu, il vient te saluer, te secoue la main. Non, il faut dire, frère, il ne faut plus faire ça. Il ne faut pas faire, faire ça. Il y a des gens comme ça. Il vient, il te donne des coups de tête. Euh, ça va, pasteur, des coups de tête. Non, 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 frère, ne fais plus jamais ça. Bonjour. Même les sœurs, tu viens, bisous. Non. Si moi je te tends la joue, oui, mais si je te tends pas la joue, tu peux pas venir me commencer à me donner bisous. Ce sont des choses importantes. Pourquoi Parce que tu es un homme. Maintenant tu dis que tu es un homme serviteur de Dieu. Si maintenant tu n'as pas une certaine manière de te comporter, les gens vont pas prendre au sérieux tes paroles parce qu'ils ne voient pas Dieu. C'est ta manière de te comporter qui détermine le sérieux qui te donne. Amen. Hein éviter la familiarité évitez cela ou à l'occasion de rien quelqu'un t'appelle ça va tu vas bien comment tu vas oui pasteur comment tu vas comme si tu étais son ami tu sens qu'il veut que vous soyez papoter au téléphone comme des amis non 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 parce que le jour où maintenant tu voudras lui parler de la part de Dieu au téléphone il va croire que c'est rien mais il y a des gens qui t'appellent vraiment, tu sens qu'il sait bien, pasteur, comment allez-vous Tu sens que c'est l'amour d'un fils envers son père, là c'est bon. Mais d'autres, tu sens qu'il veut une amitié, comme il papote avec ses amis au téléphone, s'il manque quoi à faire, il prend son téléphone, aux avrés, il peut le dire vrai. À tous nos avrés, qu'on répondrait Comme ça, il apprendra que avec toi, ça d'être sérieux. Parce qu'il a mille amis, alors il ne doit pas t'ajouter comme le millième ami. Amen. Et l'amitié avec un homme de Dieu, ce n'est pas comme l'amitié de, euh, de, de, de ce monde. L'amitié de ce monde, plus on devient ami, plus on se manque du respect, n'est-ce pas N'est-ce pas Plus on devient ami dans le monde, c'est qu'on commence à se manquer du respect. Mais si Dieu te permet d'être l'ami d'un homme de Dieu, c'est dire que tu dois être la personne qui le respecte le plus sur la terre. Si l'amitié que tu as avec les gens diminue le respect, ce n'est pas l'amitié selon Dieu. Vous comprenez ça Éviter la familiarité. Ou tu vas dans la maison d'un fidèle, tu vas t'asseoir, tu commences à regarder la télévision, et puis on te sert un foufou, tu manges, et puis tu es encore là, et puis on commence à t'envoyer envo amène-moi ça, amène-moi ça, amène-moi ça. Ha <laughs> Frère, tu as faim, reste chez toi à la maison. Amen. Hein? Prie Dieu, développe la foi. Dieu va commencer à te nourrir. Ne perdez pas. Tu vas quelque part, et puis un fidèle commence à t'envoyer. Moi j'ai vu des choses, c'était terrible. Un homme que je respecte beaucoup, eh ben, et devant moi je vois une toute petite fille qui, qui l'envoie, et d'aller lui prendre des trucs qu'elle avait laissés dans la voiture. Mmh. Un grand pasteur. Je dis, c'est pas vrai. Si cette petite fille peut avoir le courage d'envoyer ce grand monsieur lui prendre des choses dans la voiture, ah eh ben donc euh, c'est terrible quoi. Ça peut pousser des choses, hein. penser des choses. Amen. Donc il y a tellement de choses à dire à ce, à ce sujet. C'est pourquoi éviter d'être trop souvent avec un fidèle. Amen. Trop souvent, trop souvent, trop souvent, trop souvent, trop souvent. Vous allez commencer maintenant, vous commencez à parler du mal des gens ensemble, et sache que quand tu parles, tu pêches avec quelqu'un, il pêchera un jour contre toi. Celui avec qui tu pêches, pêcherait un jour contre toi. Lundi, tu avec le fidèle. Mardi, avec le fidèle. Mercredi, avec le fidèle. Tu es tout le temps chez lui. 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 Il n'y a rien à dire. Tout le temps, 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 tout le temps. Il te manquera du respect. Ton estime va diminuer dans son cœur. Amen. Hein? Il faudrait que chaque fois que tu rencontres un fidèle qui trouve que c'est l'homme de Dieu qui est venu pas son pote. Amen, hein Pas son pote. C'est pourquoi je déconseille aux serviteurs de Dieu d'être des gens qui se promènent. Qui se promènent partout. On va au coin, on te voit. On monte comme ça, on te voit. On descend là, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu, vu. On te voit partout. Non, non, non. Sois un homme qui garde son mystère. Des fois, le mystère, c'est des fois, tu ne parles pas. Amen tu vois, tu es parmi les fidèles, ils commencent des blagues qui n'ont pas de tête et de queue, toi aussi tu entres dedans. Tu gardes ce silence, T es là, tu le regardes. Tu dis rien. Ils entrent dans des blagues, toi aussi tu entres dans des blagues, et derrière toi tu ajoutes, et puis tu ajoutes, et puis tu ajoutes, et tu ajoutes, et après que tu es blagué comme ça, fermons les yeux! Prions. Eh ben. Donc des blagues à fermons les yeux. Amen la familiarité. Ou tu commences même à te confier à un fidèle. C'est lui qui commence à te faire la cure d'âme. Tu commences à tout lui dire, tes problèmes, tes difficultés, tes problèmes, tes difficultés. Le fidèle connaît toute ta vie, toute ton intimité, tout, 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 tout. Fais attention à ces fidèles qui aiment tout le temps poser des questions. Tout le temps. Toi, tu es mon fidèle, tu veux connaître toute ma vie. Qu'est-ce que c'est Ou tu veux tout maîtriser sur moi Non, non. Non. Oui, il te pose telle question, tu réponds. Il te pose telle question, tu réponds. Il te pose telle question, tu, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Et puis il commence à dire ça. Naébien, bien, n'est-ce pas Il y a un jeune garçon à l'église qui voulait se faire passer pour quelqu'un de très important et commençait à raconter partout, Pasteur n'a Pasteur Pir Nara, bien. Je le dis devant tout le monde, toi tu me connais bien, toi tu es mon pire. de quoi Parce qu'il y a des gens qui font ça, dans le secret, il est en train de te démystifier auprès des gens. Il dit aux gens, je le connais bien, c'est mon pote, c'est mon pire, c'est mon pire. Comme ça, pendant que tu parles, les gens ne te prennent pas au sérieux à cause de ce qu'ils dit. Amen. Hein? Les gens appelleront ça orgueil, mais archi faux. Les hommes ne respectent que les gens mystérieux. Quand tu perds ton mystère, finis le respect, on te jette dans la poubelle. Le ministère, c'est cela. C'est pourquoi les prêtres, ils habitent les couvents. <laughs> Amen. Même côté manger. Tu peux manger dans un endroit fermé, mais tu peux pas sortir là, tu es au coin là, tu prends des ngoubas, tu commences à manger devant les gens, tu commences à manger devant les gens, tu prends un gros beignet, tu commences à manger devant les gens, tu manges devant les gens. Tu perds ton mystère. Tu peux manger que dans des endroits secrets, avec d'autres serviteurs de Dieu, ou un lieu fermé en famille, mais tu peux pas être en train de manger devant tous, ou là, tu en pleine route. <laughs> C'est grave, ou tu marches, tu craches. Oui. Des si petites choses. Des si petites choses, mais qui sont capables de te dégrader dans l'échelle de valeur des hommes. Des si petites choses. Amen. Il faut éviter la familiarité, car il est écrit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Voici encore toujours, parlant du mystère, Vaut mieux aller là où tu es célébré que là où tu es toléré. C'est un principe qu'un grand serviteur de Dieu a dit. Tu vas dans une maison, on te tolère. Dans une autre maison, on te célèbre. Va dans la maison, on te célèbre. Comment Tu vas dans une maison, quand tu arrives, priant, ils prennent du temps pour venir. <laughs> Ils te parlent pendant qu'ils suivent la télé, ils te coupent la parole, ils te taque pendant que tu parles. Et dans une autre famille, quand tu arrives, homme de Dieu, prions, on te respecte, tu parles, ils croient. Va plus dans l'autre maison-là. Jésus-Christ ne mangeait pas dans toutes les maisons. Hein? Jésus, le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il a mangé chez qui Chez Marie, chez Marthe, chez Pierre. Amen. Hein? Même Jésus, même Jésus. Vous allez remarquer que les gens qui ne l'honoraient pas, ils ne s'en occupaient pas trop. Les Sadducéens, les Pharisiens, ils s'en occupaient pas trop. Ils leur donnaient pas trop de temps. Seulement lorsqu'ils devenaient ses disciples, ils se concentraient sur les pêcheurs de poissons qu'ils l'honoraient. Mais de fois le problème dans le ministère, tu te concentres sur les gens qui te tolèrent au lieu de te concentrer sur les personnes qui te célèbrent. Amen. Hein? C'est pourquoi même quand même le ministère monte et tu commences à prêcher dans une église, après un temps, si on t'invite trop, il faut couper. Il faut couper. Chaque année, tu prêches là-bas. Chaque, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, tu vas voir. Le traitement va commencer à changer. La première fois, ils vont se donner la peine de venir te prendre à l'aéroport. La deuxième fois, ils vont commencer à envoyer leur fils spirituel te prendre. La troisième fois, c'est toi-même qui descendras. La première fois, ils vont se battre, te trouver quand même un hôtel bien. La deuxième fois, ils peuvent même te mettre dans la maison d'un fidèle et dormir avec leurs enfants. Parce qu'ils sont habitués à toi. Alors avant qu'on puisse te démystifier, toi-même arrête. Jésus-Christ, des fois, on voulait qu'il reste dans un endroit. Il disait quoi Il faudrait que je puisse aller de l'autre bord. Supposons que Jésus-Christ ait eu un ministère de 60 ans. Ce serait comment Il prêche à un endroit, les gens ne vont pas. Pourquoi Basse ma monat. Amen. Toyo hein? Quand on t'invite trop dans un endroit, trop, 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 après un temps, tourne-toi vers d'autres endroits où tu n'as pas encore prêché. Parce qu'il y a tellement d'âmes à prêcher qu'il ne faut pas que certains puissent entendre mille fois ce que les autres n'ont pas entendu une fois. Amen. Hein? Ça crée toujours des problèmes avec le temps, un problème de respect. Tu prêches, tu disparais, et puis tu reviens encore. Deux, trois, quatre, cinq, c'est bon. Quand ça devient trop, il faut t'en aller. Souvent, des problèmes naissent. Amen. Hein? C'est pourquoi même si tu es leader de l'Église, c'est toi le pasteur. Des fois tu prêches, tu prêches et puis tu laisses, tu disparais, tu laisses d'autres personnes prêcher et puis tu reviens. Comme ça les gens ont envie de t'écouter. Amen. Hein? Mais quand c'est toi, c'est toi de janvier en décembre, mercredi, vendredi, dimanche, c'est toi et c'est toi et c'est toi, toi. Les gens se fatiguent. Des fois il faut laisser la chair. Tu laisses d'autres personnes prêcher, parler, comme ce dimanche. Les gens vont bien m'écouter. Le dimanche passé, j'étais pas là. D'autres ont prêché. Des fois, il faut aérer les choses. Dans cette conférence, je ne suis pas le seul. Il y aura quelqu'un d'autre au deuxième obdul qui va parler. Et puis tout ça, c'est important de peur que les gens ne se fatiguent de toi et que tu deviennes la manne du désert. Vous connaissez la manne du désert au début? Ils étaient contents. Mais après, ils ont dit rien que la manne. Quand est-ce qu'on aura la viande? Amen. C'est pourquoi des fois dans le ministère, il faut voyager. Tu vas ailleurs. Un dimanche, tu n'es pas chez toi. Tu prêches ailleurs. Un autre, tu voyages. C'est bien parce que ça aide que les gens ne tombent pas dans la familiarité. Amen. Et il faut éviter de faire toujours les choses de la même manière. Des fois, tu fais les choses autrement. Jésus n'était jamais dans un système. Jamais. Les miracles, c'était toujours autrement. Aujourd'hui, nous prêchons assis. Ça fait nouveau. Amen. Il hein? y a des gens sur Internet qui m'ont posé la question, mais comment tu t'assieds, as tu es devenu vieillard. Jésus-Christ prêchait-il debout assis Lorsqu'il a posé la question, qui, celui qui n'a jamais péché, qui lance la pierre, il était debout assis. Réponds-moi. Des fois, on devient plus spirituel que la Bible. Amen. Quand Jésus-Christ a célébré la sainte Seine et qu'il a enseigné sur la sainte Seine, il était debout assis. Il était assis parce que c'était la table. Donc, tous et bandego. Amen. Mais, voici. À ce principe sur la familiarité, j'ajoute un autre. Parce que si je ne l'ajoute pas, tu risques de devenir un despote et devenir un gourou. Deuxième. Il faut éviter de devenir un gourou. Ne tombe pas dans la familiarité, mais ne deviens pas non plus un gourou. En soi, vous remarquez que le ministère c'est un équilibre. Amen. Hein? Si tu tombes dans la familiarité, tu perds le mystère. Mais si tu, deviens, tu veux devenir trop mystérieux, aussi tu deviens un gourou. Amen. Il faut le milieu. On appelle ça être une main de fer dans un gant en velours. Amen. Hein? Une main de fer dans un gant en velours. Comment? La Bible dit dans Jean 13, verset 25, Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce Amen. Le même Jésus-Christ qui dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, parlant de la familiarité qui brise le mystère dans le ministère, le même Jésus-Christ accepte que Jean puisse dormir sur sa poitrine. Amen. Ça veut dire que... Malgré que c'était quelqu'un qui veillait sur son mystère, il permettait quand même à certaines personnes bien choisies de percer le mystère jusqu'à dormir sur sa poitrine. Amen. Ne sois pas un gourou. Ne sois pas un dictateur quand dans le ministère. Les dictateurs engendrent toujours des hypocrites qui finissent par se rébeller dirige l'église dans l'amour, dans la fermeté, dans la discipline en étant modèle, mais ne deviens pas un gourou. Si tu deviens un gourou, tu veux devenir Dieu. Et comme tu veux devenir Dieu, Dieu va te détruire car tu veux devenir une idole pour son peuple. Amen. N'ayez pas une autorité charnelle dans le ministère. Dans le ministère, l'autorité n'est que spirituelle. Mais si ça devient l'autorité charnelle comme les politiciens, comme les rois de ce monde, ce n'est pas la parole de Dieu. L'un des grands, l'un des grands serviteurs de Dieu, de la Bible, Moïse, un homme dont le visage rayonnait, pouvait intercéder même pour une personne qui avait touché à son autorité. Mon frère, si toi tu aimes trop l'autorité tu aimes trop être chef. Si Dieu ne te brise pas, tu auras un mauvais ministère. Il y a des gens qui, naturellement, ils aiment commander les gens. Ils aiment ça. Depuis qu'il est enfant, il aime commander. Commander pour lui, c'est un plaisir. Quand tu viens avec cette nature dans le ministère, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu seras trop autoritaire. Tu vas commencer à confondre la maison et l'église. Tu vas commencer à confondre la politique de ce monde et l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à confondre le royaume et être serviteur de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu exerces ton leadership, vérifie et dis toujours, est-ce que Jésus pouvait faire ça Amen. Hein? Est-ce que Jésus pouvait faire ça Il y a des gens qui pensent. Qu'être serviteur de Dieu, c'est commander. C'est tout ce qu'il sait, commander, commander. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. C'est ça être pasteur, commander, commander les gens. Non, c'est gagner les armes d'abord, former des disciples d'abord. Si tu, ton travail, c'est commander les gens, tu ne gagnes pas les armes, tu ne formes pas des disciples. Alors, tu n'es pas différent d'un général d'armée. Amen, hein tu sais que commander, faites, euh, prenez les chaises, mettez-les là-bas, euh, balayez ici, euh, balayez là-bas, euh, torchonnez là-bas. C'est tout ce que tu sais faire dans le ministère. Mais tu ne sais pas gagner les âmes, tu ne sais pas former les disciples, tu ne sais pas être un modèle. En quoi tu es différent d'un colonel? Ne sois pas un gourou. Comment tu peux savoir que tu es un gourou? C'est lorsque tu peux accepter qu'on touche même à la personne des dieux, mais jamais à ta personne. Il y a des gens, si quelqu'un touche à l'autorité de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu touches à son autorité, c'est grave. Tu es un gourou. Ou ta parole est plus élevée que la parole de Dieu. Moi, je vous dis, est plus important qu'il est écrit. Tu es un gourou. Lorsque ta parole et ta pensée remplacent les écritures, tu es un gourou. Lorsque tu dis une chose, ça doit toujours être comme ça. Personne ne peut te contester. Tu ne peux même pas dire non, ça va, je laisse ça parce que tu as dit ça. Je trouve que ton idée est meilleure que la mienne. Non, toi même si tu as, tu as tort. Tu amènes l'église dans les trous. Tu es un gourou. Lorsque tu as un leadership de terroriste, les gens au lieu de te suivre parce qu'ils t'aiment, ils te suivent parce qu'ils ont peur de toi. Tu es un gourou. Dieu, nous ne le suivons pas parce que nous le craignons. Nous le suivons parce que nous l'aimons. Mais le diable, on le suit parce qu'on le craint. Ainsi, c'est un leadership luciférien. Amen, hein? Luciférien. Il y a des gens qui aiment trop les honneurs. Trop les honneurs. Quand lui doit entrer à l'église, on doit sentir que c'est le pasteur maintenant qui entre. Il y a une chanson spéciale quand il veut prêcher, même si c'est une église dans laquelle il prêche tous les jours, il faut qu'on les présente toujours. Ah, on va te présenter dans ta propre église. Et si on te présente, vous présentez un bien-télélo. D'ailleurs, ici à la compassion, on ne me présente pas. C'est mon heure de prêcher, je monte, je prêche. Pourquoi on va me dire maintenant, nous invitons le pasteur, nous invitons. Il faut toujours un tralala, quoi, une cérémonie autour de ta montée sur la chair, une chanson spéciale, des choses spéciales. Ah, c'est terrible. Ou il faut un grand trône. Je ne suis pas contre dans les églises que des fois les serviteurs de Dieu puissent avoir des chaises un peu bas. Ici, on, on s'assied sur les mêmes chaises que vous. Mais ben si il euh, y a des églises où on met quand même des chaises un peu spéciaux, ben c'est pas grave. Mais quand, quand ça devient trop spécial, là c'est pas normal. Où j'ai vu dans certaines églises des chaises comme ça, là maintenant, et ils tournent comme ça. Tu as envie mon me ou quoi Mais oui, si tu as ça dans ton cœur, si tu as ça dans ton cœur. Même si aujourd'hui, Dieu ne t'a pas élevé, c'est ce que tu feras. Quelle est ta relation avec l'honneur? Ta relation et l'honneur, c'est quoi? Quand tu arrives dans un endroit, où on t'honore pas comme un homme de Dieu. Ça te fait quoi? Si ça te blesse, tu as des mauvais gènes. Ça te, ça, quand j'étais un fidèle, un jour, un homme de Dieu est venu. Il s'est assis derrière. Et, ben, j'avais remarqué seulement, il était grand de taille, et puis, il était costaud, et puis, j'ai dit, ah, peut-être, c'est un papa seulement, on l'a mis là. Le lendemain après, c'est lui qui nous avait prêché à l'église. Ah, je l'ai respecté. J'ai dit, waouh, il a, et il n'était pas assis derrière en colère, comme un enfant de Dieu. Ça m'avait touché dans mon enfance, et j'avais dit, moi, si je deviens pasteur, je serai comme ce genre de pasteur-ci, où la chaise n'est pas importante pour moi, c'est parler, parler micro. mais Alléluia. Quelle est ta relation avec l'honneur? Quelle est ta relation? Au point où nous arrivons à des niveaux où les gens doivent entrer dans nos bureaux en s'agenouillant. En s'agenouillant. Comment ça? En s'agenouillant. Tu commences à la porte, tu t'agenouilles, tu t'agenouilles devant maman. Oh, dis. Vraiment. Mais ça, c'est grave, ça. Et quel verset biblique il trouve pour des, des, des telles sottises C'est sûr qu'une telle personne, depuis toujours, aimait beaucoup l'honneur et le respect. Et ainsi, tu prends un leadership qui provient de ta chair et tu dis que c'est l'autorité spirituelle alors que tu deviens un gourou. Alléluia. Amen. Tu deviens un gourou lorsque... Le culte à l'Église ne tourne plus sur Jésus, mais tourne autour de toi. Pour un rien, le pasteur. Pour un rien, papa. Pour un rien, daddy, daddy. Comme daddy, come daddy. Comme daddy, comme daddy, daddy, daddy. Comme daddy, 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 daddy. Non, non. Oui, il est bon que les enfants spirituels, lorsqu'ils prêchent, qu'ils puissent aussi dire le pasteur avait dit. Ça, c'est bon. D'ailleurs, c'est le signe d'un enfant soumis, parce que ce n'est pas aussi normal que toi, tu es le fils d'un pasteur. Chaque fois que tu prêches, tu cites d'autres pasteurs, jamais ton pasteur. Donc on dit mais l'arrêtez. Mais si ça devient exagéré, pour un rien le pasteur, pour un rien le pasteur, le pasteur, le pasteur, non, 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 ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de Jésus. Le pasteur est un modèle, on peut le citer en modèle, mais le culte ne peut pas tourner autour de lui. Et ce sont des choses pour nous que nous trouvons anodines, mais je vous dis c'est sérieux. Il y a quelque part que je suis allé... Et la personne qui devait présenter mon ministère avait commis une erreur de phraséologie disant que le ministère tournait autour de moi. Il y a un blanc qui s'est levé, il est parti. Il a pris, il est parti, parce que lui ne peut pas aller dans un endroit où les choses tournent autour d'un homme. Et j'ai dit, vous aviez mal parlé. On ne parle pas comme s'il faut dire. C'est un ministère qui tourne autour de Christ, mais par un visionnaire ceci. C'est important. Pour lui, il n'a pas dit que peut-être que cette personne a eu. A commis une erreur, non, pour lui, c'était ça. Donc, il s'est tenu debout, il est parti. Parce que c'est vrai. Tu ne peux pas quitter chez vous à la maison pour aller dans une église qui tourne autour d'un homme. Non, rentre à la maison, reste à la maison. Ah oui, il faut rester à la maison. Amen. hein Et tu ne vas pas faire un ministère où ça tourne autour de toi. Ou quand tu entres, on sent que c'est toi qui es entré. Alors, ta présence. Et plus que Jésus, plus que la présence de Dieu, on peut même couper l'onction, l'adoration, parce que toi tu es là. Quel péché Amen. Hein? Ne devenez pas des gourous. Et des fois je remarque même la jeune génération. Dieu n'a même pas commencé à vous élever, vous êtes déjà dans les tralala. Ha ah, Ça c'est terrible. hein? Tu n'as rien fait dans le ministère. Tu n'as rien fait, rien fait. Donc tu tu tu, viens, tu es en train de bégayer dans le ministère. Mais il faut voir déjà les honneurs qu'on te donne, comme si tu es un, un gourou. Wow! Il a un ministère d'une année quand il entre là. Dix personnes ici, dix personnes là. Une année. Maintenant, on le présente maintenant. Nous, nous, on, Une année, on te présente vraiment. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? On loue des salles de fête. Euh, on s'habille bien. On, tout ton argent, tu mets dans la nouvelle veste et dans la nouvelle cravate là sur mesure. Grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu, c'est louer une salle de fête et s'habiller sur mesure et mettre des photos sur Facebook. Ce sont les disciples formés, les disciples engendrés, qui finissent par ressembler à Christ et qui engendrent d'autres disciples et qui engendrent encore d'autres disciples et qui engendrent encore d'autres disciples. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas louer une salle et être bien habillé. Et c'est beau, j'ai fait le ministère. Amen. Alors, comment peux-tu parvenir à ne pas tomber dans la familiarité et ne pas être un gourou? Parce que quand tu fuis la familiarité, ça te pousse à être un gourou. Et quand tu refuses d'être un gourou, tu risques d'être trop familier aux gens. Amen. Hein comment y arriver? J'aime cet exemple. Jésus Christ est avec Pierre et lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Amen. Un compliment, n'est-ce pas? Pierre, waouh, Jésus Christ m'a dit que ce n'est ni la chair et le sang qui m'ont révélé ces choses. Mais après, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est dire ceci. Ne sois pas statique, sois dynamique. En deux moments, je suis souvent avec Sion, je peux le faire Ira, ah, Sion, tu es bien habillé, n'est-ce pas Et puis de fois, Sion, tu as mal fait. Comment tu as fait ça, n'est-ce pas Il sait que le pasteur peut me faire un compliment, mais le pasteur peut aussi me gueuler. Je l'habitue à mes deux facettes. Je peux lui faire un beau compliment. Ah waouh Sion, que ça te va bien cette veste. Mais je n'ai pas aimé la manière dont tu as fait ça, ne le fais plus jamais. Tu es dans les deux. Mais si tu es quelqu'un qui jamais tu ne fais des compliments, toi tu te simplement là, pas ça, pas ça, tu es un gourou. Mais si aussi tu es tout le temps compliment, compliment, compliment. Mais quand la personne dévie, tu ne ramènes pas, tu es familier. Être dynamique. Amen. Hein? De sorte que tu as le comportement divin en fonction de la réaction des gens. Amen. Sinon, tu deviens bonbon-bonbon ou piment-piment. Vous comprenez ça? Aussi. Troisièmement, il ne faut jamais demander la chair. Jamais demander la chair ou toquer aux portes des églises. Jamais. Ça, c'est une formation qu'on nous a donnée. 2 Corinthiens 5, verset 12. La Bible dit ceci. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes. Amen. Parce que d'ailleurs, la recommandation, est-ce qu'on peut se recommander soi-même Je vois, il y a des gens qui veulent étudier à l'UPC. Quand ils veulent étudier à l'UPC, c'est 2 Corinthiens 5.12. 2 Corinthiens 5.12. Quand ils veulent étudier à l'UPC, qu'est-ce qu'ils font Il est déjà intelligent, il a déjà son minerval, il a son argent. Papa veut qu'il étudie, mais il vient à l'église et on dit... Recevez cet étudiant, il est ceci dans notre église, on signe parce qu'il ne peut pas signer lui-même, il ne peut pas se recommander. Il en est de même dans le ministère. Tu ne peux pas te recommander. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, donne-moi la chair que je prêche. Tu ne peux pas aller dans des églises frappées, je veux prêcher. Ça va faire ceci. Un, on va pas bien te recevoir. Si tu me demandes de prêcher et puis tu prêches après que tu aies prêché. Je m'en vais. Tu vas pas te fâcher C'est toi qui voulais venir. Mais si je t'invite, je dois bien te traiter parce que c'est moi qui suis venu déranger ton programme. Ne frappez jamais aux portes. Ça prouve ceci que tu ne crois pas que le Saint-Esprit de Dieu va te recommander. Que tu ne crois pas en la fidélité de Dieu, tu ne crois pas en la providence de Dieu. Et je t'assure, lorsque Dieu t'appelle, il te donnera tellement de boulot que tu vas même refuser de prêcher. Si je te montre, maman Mimi est là, les nombres d'invitations que j'ai et auxquelles je ne réponds pas, sur dix invitations, même pas dix, sur cinquante invitations, je ne réponds qu'à deux ou trois invitations. Pourquoi? Parce que Dieu m'appelle d'abord ici. Et je ne peux pas être dans toutes les églises du monde et je néglige là où Dieu m'a établi. Masta alors. Alléluia. Ne demandez jamais la chair. Dans cette église, si même je sens, tu ne demandes pas, je sens que tu te plains, que tu ne prêches pas, tu ne prêcheras plus jamais. Dans cette église, si seulement tu demandes d'abord, seulement tu demandes, là vraiment, tu vas faire même quatre ans. Et si je sens que tu te plains de ne pas prêcher, c'est dire que yo à, ça prouve que tu as l'orgueil, ça prouve que tu travailles pour te faire voir des gens, ça prouve que toi servir Dieu, c'est te faire voir, ça prouve d'ailleurs que tu n'as pas beaucoup de choses en toi. Parce que les gens qui ont des choses ont peur des fois de les dire. Les vrais appelés de Dieu ont peur de prêcher. Les vrais appelés de Dieu prêcher pour eux c'est un dérangement des fois. Ah je t'assure, c'est une responsabilité. C'est dire que tu n'as plus peur de l'œuvre de Dieu. C'est comme un chirurgien qui dit, yarana passe le liboum, yarana pas le liboum, oh Même un grand chirurgien. Quand il est chrétien, avant d'opérer, il prie, n'est-ce pas? Même si c'est une appendicite. Mais il y a des gens, ils veulent prêcher. Qu'est-ce qui arrive souvent? Tu viens de travailler la parole et tu as maîtrisé quelque chose. Et du coup, tu aimerais que tout le monde l'entende. C'est bien. Quand Dieu te fait découvrir quelque chose, c'est vrai, tout homme a le souci de faire partager. Mais des fois, ce n'est pas toujours le souci de faire partager. C'est le souci de montrer que maintenant on a maîtrisé, qu'on connaît, qu'on est devenu une personne importante. Et des fois, ça peut être le souci de l'argent. De l'argent. Ne frappe jamais aux portes d'une église pour l'argent. Jamais, 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 jamais. Parce que quand tu prêches, sache ceci. Que la personne la plus importante dans l'auditoire, ce n'est pas l'auditoire. C'est le Dieu de la parole qui t'écoute. Et il doit te dire Amen. Faites très attention. Pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a des problèmes? Ce sont des gens qui luttent pour prêcher. Et maintenant, c'est quoi? Ils donnent le cadeau au pasteur. <laughs> il y a des églises terribles. Donc, pour prêcher, il faut corrompre les pasteurs. Si tu lui donnes des cadeaux, tu commences à prêcher. C'est terrible. Hein? Tu vas, tu casses l'autre bureau du pasteur. Lui maintenant, il prêche plus. Maintenant, c'est toi maintenant qu'on met, tu prêches. Ne faites jamais ça. Amen. Tue en toi cette envie-là de vouloir être à la chair. Tue ça. Souvent, les gens qui ont tout le temps la chair, ce sont les gens qui ne cherchent pas la chair. Ce sont les gens qui ont la chair. Je viens de prêcher dans, je crois, l'une des plus grandes églises de Lubumbashi. Les gens me demandent qu'est-ce que tu as fait pour y être. Je ne sais pas. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai prêché il y a longtemps dans une conférence, je crois il y a trois ans, et on était invité, moi et le pasteur là. J'ai prêché avant lui, il a prêché avant moi. Il a apprécié. Il a dit pasteur, je t'inviterai un jour chez nous. Point. Mais jamais je l'appelle pasteur. Dini. Deux ans après, j'étais à Lubumbashi, on s'est rencontré Bonjour, bonjour, il n'a pas parlé de l'invitation. Je ne vais pas lui dire, pasteur, mais, mais comment, tu m'avais promis. Il m'avait promis quoi La chair. <laughs> Et cette année, alors que tous les programmes étaient bouclés, n'est-ce pas, il n'y avait pas Lubumbashi, il me dit, non, pasteur, a... est-ce que tu peux venir Moi, j'ai dit, non, je ne peux pas, parce que j'avais un séminaire sur la musique mondaine. Je ne peux pas, pasteur, parce que... Il dit, pasteur, il faut que tu viennes, tu viennes. J'ai dit, ça va, c'est un aîné, je suis arrivé. Je finis le travail, il me dit « Est-ce que tu peux revenir clôturer ?» Je dis « Non, je ne peux pas revenir parce que j'aurai convention des femmes. » Mais j'ai refusé la chaire d'une des plus grandes églises de Lubumbashi parce que Dieu préfère que je rentre à Kinshasa prêcher aux mamans. Mais ce n'est pas parce que tu prêches dans une grande église que ton église a grandi. C'est pas parce que tu prêches dans une grande église que ton église a grandi. Vaut mieux que tu travailles dans ta petite église jusqu'à ce qu'elle grandisse. Amen. Hein? Ne viens jamais tuer mon fils. Comme j'en ai vu certains. Il dit, pasteur Marcelo, tu as des relations. Mais est-ce que tu peux pas, comme tu ne donnes pas ta chair à toi là, tu peux pas me recommander chez tes amis. Il faut se baisser coudes. J'ai dit, toi tu es de quelle école Tu. Es, tu es... Tu as, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Ce qui fait que certains d'entre vous, vous avez prié dans d'autres églises et puis vous êtes venus ici à la compassion. Sachez, c'est comme ça qu'ici ça marche. Le jour que tu entreras dans mon bureau pour me dire, Pasteur, comme tu ne donnes pas ici tes amis, là, là où tu vas, là, tu ne peux pas. Ah, frère, n'en pas rouge, hein? Rouge à 10 ans. Amen. Hein? Si Dieu t'appelle, il te donnera du travail. Dieu n'est pas fou. Est-ce que je peux, je peux engager un jardinier sans lui dire de couper la pelouse Si Dieu t'appelle, te donne pas le travail. Peut-être qu'il t'a pas appelé. Il te fait chômer. Ah oui. Quelqu'un que Dieu appelle, il a trop à faire, trop à faire. Je vous dis, trop à faire. Amen. Hein? Ne demandez jamais la chair. Jamais, jamais, jamais. Et c'est vraiment une sérieuse maladie. Des fois tu es, tu es avec un homme de Dieu, vous parlez, vous parlez, vous parlez de tout et de rien, et puis la causerie veut prendre fin. Mais, ah, cherte hein oh. Donc, clôturer une causerie avec un prédicateur, c'est parler de la chair. Et ça, je vous dis, pasteur, vous êtes là, pasteur Justin, pasteur Guilain. Tu causes avec un homme de Dieu, mais tu sens qu'il éternise la causerie pour la chair. Pasteur, ne, ne parle pas de la chair, ne parle pas de la chair, n'en parle pas. Tu ne vas pas exposer le peuple sur lequel toi tu jeûnes, tu pries des années, des années pour quelqu'un seulement qui veut se faire voir et avoir une offrande. Jamais, jamais, et on ne bâtit pas les amitiés, les relations à la chair. Invite moi, je t'inviterai, nous nous inviterons. Ça va créer un jour un problème. Moi je t'invite trop, toi tu m'invites pas beaucoup. Et moi quand je t'invite vraiment, moi je te bénis. Toi quand tu m'invites, ça fait quoi vraiment de l'enfantillage Ça te fait quoi du business et du commerce Amen. Hein Il faut éviter de demander la chair, car nous ne nous recommandons pas nous-mêmes préférez qu'on puisse vous recommander. Une autre chose. Il ne faut pas donner la chair à n'importe qui. C'est ce que j'avais dit, mais c'est un principe. Il ne faut pas donner la chair à n'importe qui ou bâtir des relations derrière la chair. Apocalypse 2, verset 20. La Bible dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est une prophétie donnée à l'église de Tiatire, qui peut être prêchée de manière prophétique, symbolique, mais je tire cette leçon. De ce, de ce passage, c'est que Dieu veille sur la personne qui enseigne. Amen. Hein? Ne donne pas ta chair à n'importe qui. Un ange de Dieu m'est apparu pour cela. Maintenant, je crois, ça fait, je crois, sept ans. Un ange m'est apparu, m'a dit, dans quatre ans, tu verras la gloire de Dieu. Voici ce que tu dois faire. Garde le secret de ta force. Garde ton message et ne donne pas ta chair à n'importe qui. Et j'étais très étonné qu'on me parle de ne pas donner ma chair à n'importe qui, parce que je trouvais que garder la consécration, c'est vrai, c'est une grande place pour voir la gloire de Dieu. Garder son message, c'est une grande place pour voir la gloire de Dieu. Mais n'est pas donner sa chair à n'importe qui. Est-ce que ça peut toucher mon futur? Ah oui! Et chaque fois que j'ai donné ma chair, sans que la voix de Dieu m'ait convaincu, je l'ai payé cash, de sorte même que je pouvais savoir ce que la personne fera en prêchant. Et quand elle faisait n'importe quoi en prêchant, Dieu me disait, tu vois, je t'avais montré et je savais tout. Une fois même, je suis venu ici demander pardon. N'est-ce pas? Vous savez, non? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a très très longtemps. Alors, j'avais organisé une conférence des hommes de Dieu. Alors, je voulais que quelqu'un puisse aborder un domaine. Alors, je l'avais connu il y a longtemps, il prêchait bien. Alors, j'ai voulu l'inviter sur base de ce que j'ai connu de lui il y a dix ans. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne le connais pas? En dix ans, beaucoup de choses se passent. Je n'avais pas reçu le témoignage du Saint-Esprit sur lui. Mais je me suis entêté, comme je ne trouvais pas. Je ne peux pas dire que je ne trouvais pas, mais je ne me suis pas donné la peine de beaucoup chercher quelqu'un d'autre qui pouvait aborder cette matière à ce niveau-là. Et je l'ai quand même invité. Rien que quand il est entré, la manière dont il s'est habillé, <laughs> j'ai dit là, j'aurai ma leçon. Les choses qu'il a dites depuis que cette église existe n'ont jamais été prêchées sur cette chair. J'ai dû passer, présenter mes excuses et, pour ne pas être hypocrite, la même soirée, je suis allé lui voir chez lui à la maison pour lui dire. Je suis déçu, je regrette, mais que Dieu me pardonne parce que c'est moi. Mais quand tu entendras que j'irai dire à l'église que j'ai demandé pardon de t'avoir invité, qu'on te dise pas que j'étais critiqué, j'étais dit et déjà toi-même parce que j'ai vais aller le faire. Et je vous assure, ce jour-là, c'est sûr qu'il y a des papas qui ont quitté l'église. Parce que quand une église grandit, si dix personnes quittent, vous ne le saurez pas. Et même perdre une seule personne, même quand l'église atteint cinq mille membres, c'est grave parce que Dieu peut quitter Millions, des millions de millions de personnes pour sauver Saoul sur le chemin de Damas. Alors tu ne peux pas commencer à te permettre de perdre des fidèles parce que vous êtes nombreux. Les fidèles ne sont pas des bouteilles dans un casier. Ce sont des êtres créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et si il n'y avait qu'un seul homme sur la terre, Jésus-Christ serait venu mourir à la croix. Parce que des fois quand l'Église grandit, Ah, longoah, longoah, tosebele, milangi kaka. Amen. Voici les conditions pour donner ta chair à quelqu'un. Un, ce n'est pas ta chair. Sache d'abord que ce n'est pas ta chair, parce que quand tu commences à considérer la chair de l'Église comme la tienne, tu vas y prêcher n'importe, il, il essaie prêcher n'importe qui. Viens prêcher, viens prêcher, viens parler, ah, viens parler, viens dire, viens dire. Moi, je suis fatigué de prêcher. Viens prêcher, ah, vous causez là, ah, viens prêcher. Ce n'est pas ta chair. Amen. Hein? Est-ce que le pilote peut décider de céder le volant, ça s'appelle quoi Le quoi Guidon Le pilote, c'est quoi Ah, nous tous ici, on ne sait pas. La commande, ah, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'un pilote peut laisser la commande comme ça, comme il veut Il entre là, il dit, quel est le passager qui aimerait faire un tour Mais la chair, c'est plus que même la commande d'un avion. On ne donne pas ça pour donner, on ne donne pas ça par politique, on ne donne pas ça par diplomatie, on ne donne pas ça par amitié, on ne donne pas ça par relation. Non. Et si tu ne trouves que personne ne peut prêcher ce jour-là et toi-même, tu es fatigué, chantez. Chantez, chanter. Oh, pourquoi personne ne prêche? Dieu m'a dit moi-même la personne et chantons. Mais que ça ne t'arrive jamais. Amen. Ne donne la chair à des personnes qui vivent dans le péché amen quelqu'un vit dans le péché ne lui donne pas la chair à moins que tu ne le saches pas parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites toi tu ne connais pas sa vie tu penses qu'il craint dieu mais si tu le sais même si c'est ton ami même si c'est ton père spirituel même si c'est le grand révérend du monde entier qui quand il vient dans une église il amène des millions de personnes ne lui donne pas la chair Vaut mieux avoir ta petite église que d'avoir une grande église par quelqu'un qui pêche. Parce qu'il communiquera sa vie à l'église. Amen. Ne donne pas ta chair à quelqu'un qui va contredire ta doctrine. Ne donne pas ta chair à quelqu'un qui va contredire ta doctrine. C'est-à-dire que quand tu causes avec lui, déjà tu sens que doctrinalement vous êtes différent. Il ne pêche pas. Il vit dans la sainteté. Mais côté doctrine, vous ne vous entendez pas. Ne lui donne pas la chair par une prédication, elle est capable de détruire tout le ministère et tu recommences à zéro. Amen. Aussi, ne donne pas ta chair à quelqu'un qui, dans ses manières éthiques, pas dans la doctrine, dans ses manières éthiques, n'est pas dans l'éthique de ton ministère. Je donne un exemple. Nous, ici à la compassion, jamais avant de prier pour les gens, on leur demande de l'argent. Maintenant, lui, il peut venir, il prêche, il prêche, il dit, maintenant, je vais prier pour que les gens soient bénis, mais euh, euh, bénissez-moi d'abord. Ne l'invite pas. Amen. Si dans ses manières, il est impoli, il est mal poli avec les gens, et ça va frustrer le peuple de Dieu, ne l'invite pas. Il y a des gens, non, il y a des gens qui prient dans une église, pas pour l'onction, mais pour l'éducation. Il peut avoir toute l'onction du monde s'il n'y a pas d'éducation, ils ne prieront pas là-bas. Amen. N'invite pas quelqu'un qui est sous un scandale et qui n'a pas encore justifié qu'il n'est lavé. Parce que ton église ne doit pas être le lieu où il se lave. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un sous un scandale, et jusque-là, tout le monde est dans la tourmente. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Laisse-le d'abord finir. Et que Dieu le justifie que c'est faux pour que tu viennes le justifier à ta chair parce que toi, tu n'es pas l'avocat ecclésiastique. Parce que certains veulent se faire les avocats. Alors, comme on est en train de le salir dans la ville, moi, je l'invite pour le justifier. Tu es Dieu. Et si ce qu'on dit était vrai? Et si ce qu'on dit était vrai? Amen. Hein? Ne donne pas ta chair à quelqu'un pour qu'il te donne de l'argent. Parce qu'il y a certains prédicateurs tellement riches qui, à qui on donne les chairs, parce qu'après qu'il ait prêché il peut vous acheter la parcelle il peut faire du bien à l'église et on les invite même s'il prêche des bobards et il raconte des histoires il est très invité parce que ce qui est important ce n'est pas ce qu'il prêche c'est ce qu'il fera après je vais donner du travail alors pour qu avant qu'il donne du travail il faut lui donner le micro et vous somnolez pendant toute la prédication, vous attendez maintenant qu'ils disent, n'a pas Amen, hein. Ne donne pas ta chair à quelqu'un si tu sais qu'il sait pas prêcher. Amen, hein? Si tu n'es pas sûr que cette personne ne prêche pas efficacement, ne la donne pas. Ne la donne pas. Elle peut croire que non, Non, non. Même dans les équipes de football, on aligne quelqu'un que si on sait qu'il va marquer. Si maintenant ça devient de la complaisance, même si ce n'est pas prêché, donnons-lui quand même la chair. Alors que toutes ces personnes viennent écouter quelqu'un parce que le pasteur va être complaisant. N'est-ce pas que pendant que la personne prêche mal, vous regardez qui Vous regardez qui Les pasteur. Ils te disent, oh pasteur, et souvent c'est ce qui arrive dans les ministères amis. Toi, tu es un bon prédicateur. Ton ami n'est pas un bon prédicateur, mais maintenant, lui t'invite beaucoup à prêcher chez lui, parce que quand toi, tu prêches chez lui, comme tu es un bon prédicateur, tu édifies l'Église. Maintenant, en contrepartie, toi aussi, tu aimerais l'inviter, alors que tu sais que lui... Il est peut-être fort dans l'organisation, il est fort dans l'intercession, fort dans ceci, mais côté prêcher, il ne sait pas que pour faire bien, à ah, vient quand même aussi prêcher, Soit la lycée, église, alors que yo la la église, t'es? C'est pourquoi, servir Dieu, il faut avoir de la personnalité. De la personnalité. Si tu n'as pas un cœur dur, tu vas pas servir Dieu, tu vas être complaisant. C'est-à-dire que des fois dans le ministère, tu sais que tel n'est pas content, tel n'est pas content, mais tu continues ton chemin parce que t'es pas content, t'es pas content. Bien aimé. Lorsque dans le ministère, tu tombes dans la complaisance, tu n'auras pas la vitesse. Tu seras comme quelqu'un qui met un pneu, mais tu sais que le pneu est crevé. Mais ben, pour faire plaisir, le pneu chez cara, au si S'il s'avère que tu invites un prédicateur avant qu'il monte à la chaire, il est habillé de manière mal. Amène-le dans le bureau. Si tu peux lui changer la veste, tu lui changes. Amen. Tu dis vraiment ici, bas pantalon rouge, blé, kaki, vert. Papa arc-en-ciel. Là -bas. Oui. Où il vient, il a des grosses croix, des bagues. Toi, tu ne savais pas que lui, quand il prêche, il porte ça. Parce qu'il y en a comme ça, tu le rencontres comme ça en privé, il a habillé classique. Mais il est en Maintenant, il vient comme ça. N'ayez pas honte, amen. Parce que tu sais que mettre à la chair quelqu'un avec, surtout ici par exemple, quelqu'un avec des grosses croix et des... N'est-ce pas, que compassion Koufi Tu l'appelles papa, papa, papa. pardon. Tu l'amènes là-bas. Oui, 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 oui. Si tu n'as pas ce courage-là, il montera, il prêchera et il te laissera des problèmes. Et même, quand tu as donné la chair à quelqu'un, si pendant qu'il commence à prêcher, tu sens que de manière claire et nette, il est en train de détruire l'église, coupe-lui. Le micro, Pichou, voici. Si un jour je donne la chair à quelqu'un qui de manière claire et nette est en train de détruire le ministère, j'enverrai le frère Sion te dire de couper le sang. Et si te dit toi tu ne réfléchis pas, comme un militaire tu coupes. Et si il a déjà dit des choses qui ont troublé le peuple. Au point où l'église peut mourir, ne laisse pas le peuple partir ainsi, monte sur la chair, remets la doctrine en place. <laughs> tu sais pourquoi? Une personne qui a entendu une fausse doctrine, c'est cette personne qui l'a entendue, car ils ont toujours l'habitude d'aller le dire. Mais rarement, une bonne chose n'est répandue. Mais une mauvaise, c'est tout le monde qui le saura. En disant toutes ces choses, vous avez compris une chose, que tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans avoir le caractère. Impossible. Gentil gentil bonbon, bonbon. Et si na et si mbagaté, sans abongo, salam ma musu na vie. Amen. Tu dois avoir un cœur solide, résistant. Tu dois avoir le mental, tu dois être prêt à mourir pour ton ministère prêt à mourir prêt donc prêt à mourir pour ton ministère comme David qui était prêt à affronter un lion un ours pour la brebis vous vous imaginez ce niveau là prêt à affronter l'ours et le lion pour une brebis quand tu es serviteur de Dieu pour ton appel tu dois voir ça les gens sentent que pour ton appel tu es prêt à affronter le lion et l'ours ainsi Dieu te confiera des plus grandes choses. C'est pourquoi il a donné à David la royauté. Que Dieu vous bénisse. Abondamment.